Hello everyone, bonjour, bonjour, and welcome back. In today's video, we will focus on the verb parler, which means to speak or to talk in English, and how to conjugate it in three different tenses the past tense, the present tense, and the future tense. So, if we conjugate the verb parler in the present tense, we would say je parle, it means I speak. In the past it will be j'ai parlé means i spoke and in the future it will be je parlerai it means i will speak also it can mean as well to talk because it can depend on whether it's formal or informal way in english but in french it's always one verb which is parler so, the verb parler, when we say to talk, it means je parle, it means I talk. In the past, it will be j'ai parlé, same, I talk. And in the future tense, it's the same, je parlerai. However, in English, it will mean I will talk. And we will look at the examples to understand better. In the past, a simple tense, uh, passé composé, j'ai parlé à mon ami hier soir. J'ai parlé à mon ami hier soir. J'ai parlé à mon ami hier soir. It means I talked to my friend last night. J'ai parlé à mon ami hier soir. Nous avons, nous avons, we the link. Nous avons parlé, nous avons parlé à nos voisins hier. Nous avons, nous avons. Parler à nos voisins hier. We spoke to our neighbors yesterday. Nous avons parlé à nos voisins hier. Il a bien parlé. Il a bien parlé. We do the link. Il a bien parlé lors de la réunion d'hier. Il a bien parlé lors de la réunion d'hier. He spoke well at yesterday's meeting. Il a bien parlé lors, and we don't pronounce the S, lors de la réunion d'hier. Elles ont parlé, elles ont parlé, with the link, elles ont parlé de leur vie personnelle. Elles ont parlé de leur vie personnelle They talked about their personal lives In the present tense For example, je parle je parle espagnol tous les jours Je parle espagnol tous les jours I speak Spanish every day Je parle espagnol tous les jours Combien 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 de langues parles-tu? Combien de langues parles-tu? Combien de langues parles-tu? How many languages do you speak? Combien de langues parles-tu? C'est de cette idée, c'est de cette idée but we do the link, c'est de cette idée dont vous parlez. C'est de cette idée dont vous parlez? Is this the idea you are talking about? C'est de cette idée dont vous parlez? Puis-je vous parler un instant, s'il vous plaît? Puis-je vous parler? Puis-je vous parler un instant, s'il vous plaît? Puis-je ou je peux, vous can say, puis-je vous parler un instant, s'il vous plaît? Can I talk to you for a moment please? Je peux vous parler un instant ou puis-je vous parler un instant s'il vous plaît? In the future tense, je parlerai, je, parlerai je parlerai de mon voyage demain. Je parlerai de mon voyage demain. Je parlerai de mon voyage demain. I will speak about my trip tomorrow. Nous en parlerons nous en parlerons en personne nous en parlerons en personne nous en parlerons en personne we will talk about it in person nous en parlerons en personne ils te parleront un peu plus tard ils te parleront un peu plus tard ils te parleront un peu plus tard. They will talk to you a bit later. In French, we don't say ils parleront à toi, but we say ils te parleront un peu plus tard. They will talk to you a bit later. Let's recap the present tense, the past simple tense passé composé, or the future tense for the verb parler, which means to speak or to talk. Je parle. Tu parles. Tu parles. Il or elle parle. Nous parlons. Vous parlez. Il with s and elle with s. Il parle or elle parle. In the past tense, j'ai parlé. Tu as parlé. Il a parlé. Elle a parlé. Nous avons parlé. Vous avez parlé. Ils ont parlé. And elles ont parlé. In the future tense, je parlerai. Tu parleras. Il or elle parlera. Nous parlerons. Vous parlerez. Il with s or elle with parleront.